travaillais, j'étais à l'intérieur. J'ai entendu deux coups de feu qui venaient de l'extérieur, côté gauche de la terrasse. C'était deux personnes, type noire africaine, qui avaient une altercation entre eux. Il y en a un qui a sorti un flingue et qui a mis deux coups de feu, du coup, dont un qui a touché la personne aux côtes. Et l'autre coup de feu qui était dans la vitre, quoi. Ensuite, on a eu tous les clients qui sont précipités à l'intérieur, du coup, en laissant tous leurs objets en extérieur. Donc on les a mis sous les tables, etc., pour qu'ils soient en sécurité. Puis les serveurs sont sortis pour récupérer tous les objets, du coup, appartenant aux clients. Et on a vu la personne, du coup, qui a tiré partir en moto. Je pourrais pas vous dire quelle moto. La victime, on pense qu'elle s'est rangée au Vieux Belleville. On pense qu'elle est décédée. Il y a même eu un client qui s'est pris un ricochet sur le coude. Il n'avait pas remarqué, on l'a vu à la fin. Mais c'est rien de grave, c'est une petite égratignure, c'est une petite trace rouge, quoi. Et oui, les clients étaient très stressés. Il y avait une dame qui avait un bébé de 3 semaines dans les bras. Donc elle avait vraiment peur pour son enfant.